Il y a eu des paroles très fortes dans cet hémicycle ce matin, y compris de la présidente de la Commission, sur les atrocités en Ukraine, sur le chaos climatique, sur les valeurs européennes, sur les droits humains, et puis évidemment sur l'absolue nécessité de sortir des énergies fossiles. Alors il y a un projet qui est totalement à l'opposé de tout ce que nous avons dit ce matin. C'est ce projet en Ouganda et en Tanzanie. C'est la violation des droits humains. C'est la destruction du climat, la destruction de la biodiversité. Et il y a un groupe pétrolier qui est à l'opposé de tout ce que nous avons dit ce matin. C'est Total Energy. Total Energy, complice de crimes de guerre en Ukraine. Total Energy, complice de violation des droits humains en Ouganda et en Tanzanie. Total Energy, coupable de crimes contre l'environnement. Alors ce Parlement et la Commission européenne doivent exiger que la France, son président et son gouvernement cessent d'aider diplomatiquement, politiquement, financièrement, militairement Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Total Energy doit sortir de l'impunité et de l'irresponsabilité. Nous, nous y sommes dans la responsabilité et la responsabilité du climat. Merci.